trouvé un super lieu pour faire ma vidéo avec un joli toutou. C'est que moi, il est bête, hein. Il a dû sentir que j'aimais ça. Qu'est-ce que j'aime, ma Provence natale. Je suis sous un cerisier parmi des champs d'oliviers, d'arbres fruitiers sur le domaine de Monsieur Barthélémy, que je remercie du fond du cœur de m'avoir laissé faire ma vidéo dans son superbe... C'est pas un jardin, c'est un havre de paix de Provence. Si vous m'avez suivi sur mes Insta Stories, je cherchais des huiles essentielles pour un peu pallier à, comme tout le monde, un peu des soucis. Voilà, quand on a des douleurs, quand on a envie de se faire un truc version spa. J'ai décidé de faire ma vidéo première impression des huiles essentielles Young Living dans ce cadre, parce que je trouvais que c'était beaucoup plus adapté, puisqu'en fait, après vos conseils, après avoir cherché sur internet, voilà, des huiles essentielles, il y en a des paquets, des marques, etc. Et j'ai vu 2-3 marques qui se démarquaient au niveau de leur composition, au niveau de leurs effets, et au niveau aussi de la fabrication. Pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce que c'est la seule qui dit seed to seal, en fait, que chaque ferme ou maison ou endroit ou lieu ou usine, entre guillemets, qui fabrique son huile, fabrique du moins et prend de la graine jusqu'à sceller le flacon que vous recevez chez vous. C'est-à-dire que l'huile de lavande, elle est faite à 10 minutes de chez moi. J'habite Marseille, bon, j'exagère, pas 10 minutes, mais bon, elle est, voilà, dans les champs de lavande typiques de Provence. Donc à l'intérieur, vous avez exactement 12 huiles essentielles. C'est le kit que j'ai commandé parce que je ne m'y connaissais pas. Et c'est un kit qui est conseillé, qui a un petit peu de tout. Et je ne sais pas comment chercher une huile. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un mélange, et que c'était fait pour quelque chose, au lieu de s'appeler huile de cyprès des Landes de machin, c'était enlever le, donc je vous le traduis parce que c'est en anglais, c'est une marque américaine, enlever le stress, enlever la douleur, et donc ça c'est super. Ce qui est bien sur le site internet de Young Living, c'est qu'on vous dit déjà, on vous dit à quoi l'huile sert en général. Ensuite, vous avez profil et bienfaits. Vous avez le profil aromatique, les suggestions d'utilisation, où la diffuser, les sensations et les instructions et les précautions d'emploi. C'est hyper complet. Je vais commencer par celle pourquoi j'ai acheté cette marque. Parce que à cause de mes examens, etc., j'ai beaucoup de stress. Lors de mes examens, et elle s'appelle Stress Away. Alors, je peux dire qu'il y a un mélange. Il y a un mélange dedans, on dirait de lavande, de pin, de cyprès, de... Waouh, j'adore. Ensuite, je vais tester quelque chose. Digize, donc digest. Donc, a priori, c'est pour la digestion. Comme toute fille, quand je vais aux toilettes, ça fait des bulles et des paillettes. Mais voilà, dès qu'il y a une contrariété, dès qu'on voyage, c'est plus pareil. Et donc, j'avais entendu dire que, a priori, si vous mettez 2-3 gouttes de ça sur votre ventre, qu'à peu près 4-5 heures après, il faut que vous soyez pas trop loin des toilettes. Oula, j'aime pas du tout. Bon, alors du coup, je vais m'en mettre sur le ventre. Je me déshabille pas complet, les gars. Je vais en mettre une ou deux gouttes sur le ventre. Là, je crois que j'en ai mis trop. Ce soir, je vais passer ma soirée. Je vais me masser le ventre. Waouh, en fait, si,
Oula, si. Il y a de la cannelle dedans, un truc comme ça. Bon. On va mettre ça. En fait, je crois qu'il faut s'habituer parce que c'est quelque chose quand même qui est fort. En fait, c'est vraiment l'essence du pistil ou de la fleur ou de la plante. Donc, c'est très concentré, qui est souvent fait pour rejeter les insectes, les ennemis ou les prédateurs de la plante. Ce qui fait qu'en fait, c'est leur propre médecine à eux dont on se sert nous. Voilà. Donc, celle-ci, en fait, elles peuvent être soit donc appliquées sur la peau, soit mettre en diffuseur. Et celles qui peuvent être consommées, c'est celles qui sont en blanc. Il y a le citron. Je suis très très curieuse du citron. Oh mon Dieu! Oh, j'ai envie de m'en mettre de partout. Je sais pas ce qu'il fait lui, mais déjà rien qu'à le sentir, il me fait du bien. Les bienfaits. Le lemon, intégré à votre routine beauté, ajoutez une à deux gouttes à vos produits de beauté préférés. Elle aidera à réduire l'apparition des signes de vieillissement. Si le moral n'est pas au beau fixe, diffusez lemon pour égayer l'atmosphère. À diffuser également au bureau ou à l'école pour profiter de son arôme vif qui favorise la concentration et la motivation. Ou la diffuser. Imprégnez votre cuisine une dose de lemon, sa fragrance. Voilà. Dites adieu aux mauvaises odeurs dans votre salon ou salle à manger. Alors, je vais faire lavande. Attention, je suis du pays de la lavande. De la vraie, hein. Donc. Vous savez ce que j'aime? C'est que c'est le vrai parfum de lavande, pas surfait. Pour toutes celles et ceux qui sont de la région et qui connaissent la vraie odeur de la lavande, quand vous la prenez dans vos mains, c'est exactement ça, et que vous la frottez dans vos mains. La plupart du temps, quand vous allez dans des endroits un peu touristiques, on vous vend cette odeur de lavande, mais hyper fort, alors qu'elle est douce. Elle est super douce, cette odeur. Franchement, je kiffe, quoi. Favorise la sensation de calme et aide à soulager les tensions. Propriété stabilisante et apaise le corps et l'esprit. Purifie et soulage les petites irritations de la peau. Peut apaiser la peau après une journée au soleil. Réduit l'apparition d'imperfections sur la peau. Ralentit le vieillissement de la peau. Contient de l'acétate, un composant d'origine naturelle. Et frankincense. Donc a priori c'est un mélange. Ouh là là, j'aime beaucoup. Ouh là là, renforce le sentiment de détente et de tranquillité. C'est pour ça que j'ai trouvé ça apaisant. Et moi, je fais pas yoga, mais je fais du stretching. Et je pense que pour tout ce qui est stretching, franchement, alors là, c'est le top. Copaiba. Waouh, ça sent un peu le cendré. Un arbre du Brésil dégage un arôme apaisant, peut être diffusé pour créer une atmosphère chaude et agréable. Réduit l'apparition d'imperfections sur la peau. Peut être appliqué en massage sur les muscles fatigués après un effort. Contient peut être appliqué sur la peau pour l'aide et garder à sa éclat de jeunesse. Donc je pense que je vais pouvoir les mélanger quand même. Profil aromatique, parfum doux, léger et boisé. Pan Away. Alors Pan Away, c'est justement, j'aime bien parce que ça aussi c'est un mélange. C'est pain, comme avoir mal, et a priori à diffuser sur vraiment les endroits où on a mal. Waouh, je sens que... Ouh, il y a une menthe poivrée à l'intérieur. Il est bien fait. Arôme rafraîchissant et stimulant. Rafraîchit la peau après une activité physique. Sensation de fraîcheur et application sur les épaules, le cou et le crâne. Composant naturel, appliqué sur la nuque et les épaules le matin, mélangé à V6 Vegetables Oil Complex pour un arôme frais et stimulant. Massez-vous les plantes des pieds pour une sensation de détente. Préparez vos propres sels de bain en ajoutant 10 gouttes de Pan Away à une tasse de sel. Versez ce mélange dans un bain chaud pour recréer une ambiance de spa. Vraiment.
Il y a de la... Pour moi, il y a de la menthe poivrée, mais je déteste la menthe poivrée. Mais je déteste. Et là, il y en a un qui arrive qui s'appelle peppermint. Mais là, c'est pas pareil, là. C'est ça que j'aime. Je suis trop contente d'avoir commandé cette marque parce que... Oh là là, mais ça n'a rien à voir avec les autres huiles, avec les autres marques. C'est-à-dire que vraiment, j'ai une huile essentielle qui sent... Attendez, on garde un petit peu l'allure quand même. C'est une huile essentielle, mais qui sent bon, qui sent pas trop fort, qui sent pas faux. On est dans le vrai, quoi. On est dans la plante. Je vais tester peppermint. J'ai peur parce que je n'aime pas du tout la menthe poivrée, donc je suis franche avec vous. Hein. Wow! Elle monte au cerveau, mais alors... Mon Dieu, comment vous dire? Normalement, la menthe poivrée, ça vous prend la tête et tout. Là, j'ai l'impression que ça monte là et que ça reste là. C'est la première fois que j'aime la menthe poivrée. Alors, je sais pas comment vous jurer que franchement, je déteste la menthe poivrée. Mais quand je dis je déteste la menthe poivrée, je déteste la menthe poivrée. Et là, vous savez à quoi ça me fait penser? À l'After Eight. C'est-à-dire une menthe, mais gourmande, quoi. Chocolatée, sucrée. Le poivre, je sens même pas ce côté. J'ai envie de me sniffer avec, là. Oh là là, oh là là, j'ai l'impression de rien que de la respirer. Oh là là, je... Oh, c'était celle que je disais, mais j'ai pas envie de la commander, je sais que j'ai pas aimé et tout, on peut pas la changer avec quelque chose, mais c'était le kit. Je vais rester dessus, je vais rester dessus quoi. C'est un truc de fou. Oh, qu'est-ce que, alors, qu'est-ce qu'ils disent? Je vous jure, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors, rafraîchir les muscles fatigués, créer un environnement propice à la concentration lorsqu'elle est diffusée, propice à une expérience rafraîchissante lorsqu'elle est mélangée avec votre shampoing préféré ou appliquée sur la peau après une chaude journée sur les rayons de soleil. Créer une sensation vivifiante et rafraîchissante lorsqu'elle est inhalée. C'est ça quoi, c'est ça. Et donc, ils disent quoi? Apaise les muscles après une activité physique. Propice à la concentration, offre une sensation rafraîchissante, crée un sentiment revigorant et frais en inhalant. C'est ça, c'est pour ça que j'ai adoré. J'ai adoré. Suggestion d'utilisation, diffuser peppermint au travail, pendant les devoirs pour les enfants, pour favoriser une atmosphère de concentration et d'énergie. Inhaler ou appliquer sur la poitrine avant ou pendant un effort physique intense pour vous stimuler. Appliquer localement sur les zones du corps fatiguées après une activité physique pour une sensation rafraîchissante. Young Living Purification. Alors ça doit être certainement pour purifier. Allez, j'y vais d'abord à ma première sensation, après je dis, je vais sur le truc pour voir à quoi ça sent. Ce peppermint, il m'est resté dans les narines, je vous assure, j'adore. Oh là là, que ça sent bon ça. Mmh. Oh là là, il y a des agrumes, il y a du citron. Vous cherchez un moyen rapide de rafraîchir l'air ambiant après manger ou quand vos enfants reviennent du sport? Ouh là, les cheveux en ont pas. Utilisez le mélange Long Living composé d'huile essentielle idéale pour éliminer les odeurs et créer une impression de propreté et de clarté. Ce produit aux multiples utilisations est parfait dans les bureaux étouffants, les voitures sales et les chambres qui ont besoin d'un peu de fraîcheur. C'est la meilleure façon de purifier l'air sans avoir à utiliser des produits chimiques nocifs. Grille d'aération, tiroir, chaussures, poubelle. Young Living RC, j'en ai entendu parler de celle-là aussi. Enfin, j'en ai un peu entendu parler de toutes. Ouh, celle-là est très forte. Très très forte. Ce sont les plantes. Ça sent le spa en fait, le spa oriental un peu. Massage des pieds ou du dos après votre séance de sport, de yoga ou de marche. Versez quelques gouttes dans un bain ou d'eau chaude. Voilà, vous apaisera. L'huile diffusée par la vapeur vous stimulera. Mettez de la bonne humeur dans votre routine matinale en appliquant RC
sur la poitrine ou les poignets. Mais entre ça et les mônes, je vais avoir la pêche le matin. Recréer une atmosphère de spa. Je l'ai dit. Alors, je ne vous ai pas à chaque fois dit les composantes parce qu'il y a des noms, mais il y a du peppermint, de l'eucalyptus, huile essentielle eucalyptus radiata, huile essentielle eucalyptus globulus, huile essentielle eucalyptus bleu, huile essentielle lavande, huile essentielle mélissa, huile essentielle... C'est un mélange. À chaque fois, je vous ai dit, soit quand il y a un nom, c'est ça qui m'a plu, c'est que soit ça porte le nom de ce que ça fait, soit ça porte un nom et on sait que c'est un mélange et a priori je chercherai plus, mais je pense qu'il y a une histoire derrière. Et puis par contre, quand après c'est lemon, bon bah c'est du lemon, bah c'est du citron, lavender c'est de la lavande. Il m'en reste deux. Là je fais thieves. Je vais voir. Oula. J'avais fait Thieves. Non, j'ai pas fait. Hein. Il y a du clou de girofle là-dedans. Il y a du clou de girofle. Alors, à tous les coups, il y a un truc. Thieves, c'est pour douleur, ou calmant, apaisant. Tous les coups. Thieves est un mélange aromatique sucré et épicé d'huile essentielle de clou de girofle. Eucalyptus radié, citron, cannelle et romarin. Améliorez votre bien-être en appliquant sur la nuque, le cou, la poitrine. Mélange de l'huile végétale pour une expérience tonifiante ou rafraîchissante. Votre maison, en aspergeant quelques gouttes mélangées à de l'eau dans ce flacon de vaporisation contenant le meilleur de la nature. On dit de ce mélange qu'il apporte protection. Et donc l'orange alors. Elle, a priori, se mange ou se met en route. Ça sent la bonne écorce d'orange. Pas du tout amère. À peine acidulée. Une bonne orange sucrée. Maintenez votre corps bien hydraté en ajoutant quelques gouttes d'huile d'orange plus. Donc je pense que pour le lemon c'était pareil, ça doit être la version lemon qui s'ingère, que vous pouvez rajouter dans vos eaux, dans une gourde à boire et ça vous permet de boire plus, puisqu'en plus ben, ça donne un bon goût. En cuisine pour relever les plats sucrés et savoureux, ajoutez deux gouttes dans une bouteille ou un verre d'eau pour l'aromatiser ou mélanger avec d'autres huiles essentielles pour combiner divers arômes. Infusez des huiles essentielles alimentaires dans de l'eau. Et là ma beauté! Qui c'est le toutou? Regardez, tu t'assois avec moi? Tu t'assois? On va finir la vidéo comme ça? Là ma beauté? Là ma beauté? Oh, tu es gentil toi. Oh, tu es gentil. Donc, oui, un petit bisou. Tiens, amour. Comme d'habitude, t'es détox, hein? Je vais peut-être finir yogume finalement. Que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été informative, instructive. Je découvre en même temps que vous, donc j'ai senti, il y en a qui au premier abord m'ont pas plu, et puis après je m'y suis habituée. Je pense que l'huile essentielle aussi, c'est pas, on n'en sent pas tous les jours, mais dans la globalité je les ai toutes aimées, mais vraiment. Il y en a deux qui au premier abord m'ont fait « ouh, j'aime pas du tout » et finalement en m'habituant, j'ai adoré. Et ce que j'aime, c'est que je vous assure, je n'ai jamais senti une huile essentielle aussi pure. Je n'ai pas arrêté d'aller dans les pharmacies, parapharmacies. C'est de la bombasse. Je ne sais pas comment vous dire. En plus, c'est dommage qu'il n'y ait pas moyen de vous faire sentir. Ça sent un truc d'un autre monde, quoi. C'est un truc d'un autre monde. C'est bon à savoir que sur le site, il y a vraiment bien tout d'expliqué. Je suis contente parce que franchement là, c'est ce qu'on cherche, de la purification, de l'antidouleur, du rafraîchissement, du bien-être, des bienfaits, de la détente.
de la digestion. Pour l'instant, ça va. On verra. Mais en tout cas, franchement, je suis mais plus que ravie, quoi. Je m'attendais... Je sais pas, je trouvais que les personnes qui m'en parlaient, je me dis, bah, elles en font pas ta caisse, quoi. Non. C'est vraiment génial. Et puis bon, ça se voit en fait, la présentation est digne du produit, quoi, en fait. La présentation, la boîte qui s'ouvre, le petit ruban, voilà, les 12 huiles présentées comme ça. Je suis enchantée. J'ai hâte de les tester au quotidien, vraiment au quotidien. Je vais bien appliquer comment ils disent de le faire, voir les bienfaits, si ça me réénergie, si ça me calme, si je dors mieux, si je suis mieux dans mon bien-être total général, et je vous dirai. Voilà. Je vous dirai dans un mois ou deux, je refais une vidéo pour vous dire ce que j'en pense. Sur les effets, si vraiment j'ai aimé ou pas, s'il y a des trucs qui ont mieux marché ou pas sur moi. Et en attendant, je vous remercie de liker, de commenter, de vous abonner. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous et à très bientôt. Mouah. Je vais vous montrer un peu où je tourne quand même. Regardez-moi ça. Comme c'est juste magnifique cet endroit. Encore, c'est qu'une partie, hein, mais champ d'olivier tout en bas. Là, j'étais sous un cerisier.